Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un jeu qui s'appelle Mysterium. Donc à la base je l'ai connu par le jeu de plateau que j'aime énormément. C'est une espèce de Cluedo dans lequel un fantôme, la personne qui a été tuée, va envoyer des visions à certaines personnes qui sont des médiums. Ces visions, il va falloir deviner le meurtrier, le lieu où le fantôme est mort et l'arme du crime. Donc un peu comme le Cluedo. Sauf qu'en fait là vous allez avoir des visions assez bizarre, vous n'allez pas forcément toujours comprendre le pourquoi, du comment, ni où le fantôme va en venir. Toutes les parties sont prises, donc comme ça c'est fait. Donc je vais me faire une petite partie en solo avec l'intelligence artificielle. Donc là je peux choisir d'être le fantôme ou un médium. Alors je vais choisir d'être le fantôme, donc la personne qui a été tuée. Voilà, hop. Comme ça, vous allez avoir le jeu de base, vraiment. Et c'est parti. Alors, donc, je suis un fantôme. Donc ça, ce sont mes visions. Vous voyez, des images qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et grâce à ça, il faut que je fasse deviner à ce joueur qu'il est, ça, c'est possiblement mon tueur. Au joueur bleu, il faut que je fasse deviner ce personnage-là. Celui-ci, donc elle, il faut que j'y fasse deviner que ça, c'est mon tueur potentiel. Et idem, bah lui, il a la nonne, quoi. Donc voilà, bah écoutez, un orgue, parfait. Et ça me fait penser aux cryptes dans les églises. On peut en donner plusieurs. Donc là, je lui ai donné. Ça fait penser aux cryptes des églises. Et ça, c'est un orgue, c'est dans les églises. Donc, c'est parti. Le chasseur. Donc, le chasseur, on va lui mettre ça. Et ça. Parce que ça rappelle, bah, bien sûr, la nature. Voilà. Si, je pourrais peut-être lui mettre ça. Et là, vous voyez les personnes. Donc, le bleu a bien choisi le bon personnage. Et là, le blanc a bien choisi son bon personnage. Donc, ça, c'est bon. Alors le truc, c'est que lui, il me fait vraiment penser au barbier Sweeney Todd. Donc j'ai tendance à lui mettre des trucs un peu comme ça, qui font penser un peu à la mort et tout. Mais tout le monde ne comprend pas forcément. Enfin, je mets ça et ça, parce que c'est dans les tons rouges. Mais c'est qui est tout double. Oh là là. C'est hoche, c'est hoche, c'est hoche. Je n'en sais rien. Alors là, je pourrais, si je voulais, choisir des cartes. Bah, on va utiliser ça comme ça. Vas-y, c'est parti. Alors moi, là, il n'y en a aucune qui m'intéresse. Donc je les balance toutes. J'ai validé toutes les cartes que je vais changer. Ok, je vais en avoir des nouvelles. Eh bien, écoute, on va faire coupe-coupe. Ah, lui, il s'est planté. Mais il a vu du rouge aussi, c'est bien. Même si c'était pas ça. Donc, 2 sur 4 ont bon. Donc, il passe au lieu. Et eux, ils continuent à chercher leur meurtrier. Toi, tu as du transport. Des roues, ok. Toi t'es le barbier et toi t'es la fontaine. Donc toi, fontaine, fontaine, vas-y. Le barbier, ça c'est parce que ça tranche, hein. Écoute, je ne sais pas, des lames. Et ça pour le plumeau et pour la... Je ne sais pas. Le magicien, c'est chaud, alors. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ça pour le côté un peu magique, on va dire, mais pff, je sais pas. Alors là, faut que je fasse deviner au noir. Donc la musique, le chapeau, le lit baldaquin, les livres, du rouge chapeau, lion, ok. On se rouette. Toi, une statue, et toi, une fourchette. Bon, toi, déjà des assiettes, ça me paraît pas mal.
Alors je peux lui mettre tout là où il y a des animaux en fait déjà. On va faire comme ça, tout là où il y a des animaux. Je t'oink. Et comme ça me débarrasse aussi. Corde, corde, corde et corde. On a dit vas-y, fais péter. Alors, vont-ils abri juste? Je vois un marteau et une corde. Ça m'a l'air pas mal s'ils changent pas d'avis. Ouh, cool. Alors, chacun, ils ont leur suspect. Donc moi, mon but, c'est de choisir entre toutes celles-là. Donc par rapport à mes visions, je vais choisir ce qui est le mieux pour faire deviner avec une vision pour chaque. Là, dans la version à laquelle on joue, c'est la plus simple. Donc chacun va voir les trois visions, mais sans savoir si, par exemple, si je mets ça, si ça fait partie du personnage ou si c'est pour faire deviner ici la bonne femme, enfin l'arme. Donc c'est ça la difficulté en fait. Et dans les autres versions, vous pouvez avoir une seule carte, deux ou trois. Enfin voilà, c'est vraiment, ça peut être bien bien plus compliqué. Alors qu'est-ce que j'ai moi comme vision? Et du coup il me reste deux corbeaux. Alors moi je dirais les roues. La roue pour ça, parce qu'il y a plein de roues. Et donc là on voit bien. Des roues. La statue, je peux lui mettre la madame. Qui peut aussi faire la corde avec l'autre. Hein. Tac, 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 tac. Et tac, vas-y. Alors ça peut être pas mal. On chasse le lapin. On va essayer de voir quand même si j'ai quelque chose de mieux. Une roue. Bon, je vais peut-être rester comme ça. Les lapins pour le chasseur. Alors, à la limite, on va peut-être mettre celui-là. Non, sur la locomotive. Non, je vais rester quand même sur mon premier choix. Et là, du coup, la statue, on va lui mettre la madame. Donc, la madame pour la statue. Ici, les roues pour les roues. Et les lapins pour le chasseur. C'est parti. Alors, on va voir ce qu'ils vont mettre. Et là, le but, c'est on est une équipe. Et c'est qui trouve comme nous. Sinon, on appelle loup. Ils n'ont point trouvé. Donc voilà, notre équipe a perdu. Donc ils n'ont pas vu les mêmes choses que moi. Voilà. Bon, j'ai perdu. Sniff. Bon, mais voilà. Donc, eux, ils ont vu ça. Alors, la corde. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Ils ont dû voir pour ça. Ah, le lapin pour le magicien, je suppose. Et ça, peut-être pour le rouge. Je ne sais pas du tout. Mais je verrai ça. Ouais. Je pense qu'ils ont dû voir le lapin pour le magicien. Donc, vous voyez, ça peut faire plusieurs choses. Là, la corde. Bah, je suppose. C'est ça. Vous avez possibilité aussi de jouer donc l'un de ces médiums qui doivent essayer de comprendre les fantômes qui sont plus ou moins tordus dans leurs idées. Voilà. Et surtout qui doivent s'adapter aux cartes qu'ils ont. Et c'est franchement pas forcément évident. Plus vous prenez un niveau simple, plus vous avez de corbeaux. Niveau moyen, vous en avez trois. Grossièrement, ça pourrait faire un corbeau, deux corbeaux, trois corbeaux. Voilà. Et si vous allez en niveau dur, vous en avez encore moins. Il me semble que vous en avez qu'un pour toute la partie. Voilà. Donc vous pouvez jouer à plus ou moins de personnages. Là, j'ai fait une partie solo, mais vous pouvez jouer avec vos amis. Il y a une partie aussi histoire que je n'ai pas encore commencée. Et les deux versions du jeu, que ce soit en ligne ou en vrai. Très très sympa, je vous le conseille vivement. Donc, écoutez, peut-être à bientôt pour une partie de Mysterium en ligne. À plus les enfants, ciao ciao!